Bonjour les amis. Coucou. Ah, C'est bon, on me voit. elle allait pas bien la Ben non, on ne me caméra. voyait pas. Ah, d'accord. Ça y est, on te voit bien Un là. peu, mais regarde, je trouve que la lumière, elle est pas. Et voilà. Ah! La lumière, elle est pas top. Et voilà. Voilà. Catastrophe. Ben, baisse un peu. Non, mais je trouve que sinon, En fait, on a des têtes Voilà. d'ampoule. Je sais pas. Voilà. Tu nous prends vraiment pour des têtes d'ampoule. Coucou donc. Mais bonjour. Alors, on va vous faire une petite vidéo qui va ce qui va comment faire? Qui va faire le résumé de nos vacances. Pourquoi tu souris? Comment faire? Allez, nez. Attends, au moins on se montre tel qu'on est, c'est bien. Oui. Donc, ce petit bout de vidéo va juste résumer ce qu'on va vous mettre après, c'est-à-dire les vidéos de ce qu'on a fait à la piscine, du camping, de ce qu'on a fait à l'arrache, quelques photos, etc. En gros, on avait prévu trois sorties. Trois Oui, sorties? c'est ça. J'étais en train de réfléchir, excusez-moi. Je vais vous Oui, c'est donner ça. notre avis. Hein? Le parc des fauves qui ne se trouve je ne sais plus où, donc je vous remettrai en barre d'infos le lien, est un petit parc avec des animaux, mais qui déploie le peu de moyens qu'il a pour vraiment donner du confort aux animaux, donc C'est je vous le ça. conseille. Très, Marineland, très bien. Ça, c'était qui pas est un très, très parc bien. afrique et qui nous a énormément déçus, donc je ne leur fais absolument pas de pub. Au-delà des animaux, je dirais pas qu'ils sont malheureux, mais voilà, au prix qu'on paye l'entrée de ce parc, le peu de Il n'y a moyens pas que qu'ils mettent à l'entrée. disposition pour les animaux, oh non, 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 c'est pas beau, c'est moche. On ne voit pas bien. C'est pas grave, T'as on entend coupé. bien ce que je dis, c'est très bien. Coupé, coupé. Et donc, sachant que nous sommes une famille qui aimons faire, ben, c'est pas les zoos, c'est le fait de voir des animaux et surtout de savoir qu'il y a des gens qui déploient les moyens pour, Pour sauver des voilà, espèces. pour sauver des espèces. Voilà. Et nous conseillons vivement d'ailleurs le zoo d'Amnéville où j'ai un ami qui y travaille et où je connais les coulisses et je sais que les animaux sont bien traités là. Donc pour revenir, Et les moyens sont développés pour les animaux. le parc des fauves, nous le conseillons. Marineland, non, non. Non, ne faites pas d'argent à ce parc. Non, non, Non. non, mais vraiment non. Hein. C'est non très fort. Hein. Et ensuite, nous avons fait le sentier du littoral de Fréjus à Saint-Raphaël. Nous n'avons pas fait les 10 km, pardon. Nous avons fait les 7 km. Nous avons fait 7 km sur 10, effectivement. Qui était pouce bleu. Super cool. De l'eau Ou turquoise, d'ailleurs. des criques. Vous pouvez le faire vraiment avec tous les enfants, de bébé à grand. C'est vraiment aménagé pour faire C'est pas aménagé, c'est juste que c'est c'est accessible. accessible, pardon. C'est accessible pour vraiment toute la famille, que ce soit petit, grand, moyen, tout ce que vous voulez. C'est vraiment accessible. Notre 4 ans a marché tout du long, Il sans faut broncher, en se baignant. pas y aller en poussette, hein. C'est pas fait pour ça, la poussette. C'est un sentier de littoral. Oui, non, mais je le Non, précise mais. quand même. On sait jamais, il y a des gens, tu sais, des fois, on se pose des Oui, donc questions. pas de poussette, hein, voilà, porte-bébé si vraiment vous avez un tout Voilà, petit. porte-bébé, mais pas de poussette. Et donc, on va vous mettre quelques photos du camping où nous étions, sachant que c'est l'avant-dernière fois où nous allons en camping. Oui. Dans 15 jours, nous repartons, nous serons 7 dodos dans un Dans camping un autre aussi. camping, oui. Et ce Et sera le après, dernier. voilà, ce sera la Et dernière fois. après, ça sera que dans notre petit camion où on a essayé aussi, on vient d'essayer justement comment on peut vraiment bien dormir, comment tout le monde peut bien dormir sans se casser la tête, sans autre. Et on va terminer l'aménagement. Voilà, et on nous met petites mains Mes et idées. ses idées. Allons faire le reste d'aménagement du camion pour. Vraiment dormir aux petits soins de tout le monde et de bah ouais, c'est des petits Oh, t'as soins des expressions des fois. c'est des petits soins c'est des Oui, petits bon. trucs C'est du sympas confort, quoi. voilà c'est ça Enfin, du confort. du Il grand y en a qui nous disent qu'on confort est fou, mais c'est pas grave, on assume. Et donc, la fin des vacances, nous sommes rentrés plus tôt. nous devions rentrer le 23 ou 24
Si on raconte dans Ben, les je détails, je remets. pense qu'on va se mettre à pleurer tous les deux, Non, donc on faut va pas vous passer raconter. ça. Voilà. Juste, ne donnez pas d'Advil à vos enfants. L'Advil tout confondu, que ce soit pour les adultes ou l'Advil en pipette que les médecins donnent, n'en donnez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Notre fils a eu de la fièvre, il est monté en température, on était sur la route au bord d'une totale. Il s'avère qu'on lui a donné de l'Advil pour la première fois, deuxième fois, elle est peut-être Deuxième deuxième fois. fois de sa vie, il va avoir 2 ans. D'habitude, je donne des huiles essentielles et des suppositoires si vraiment la fièvre grimpe. Et là, voilà, j'avais pas de suppos, je pensais bien faire, j'ai donné de l'Advil. Il a fait une réaction allergique à l'Advil, une si forte réaction allergique qu'il a convulsé, qu'il s'est arrêté de respirer. Voilà, je vous passe les détails de la peur de notre vie, de voir notre enfant partir dans nos bras, d'appeler à l'aide et que les gens nous regardent comme des bêtes de foire mais ne dégainent pas leur téléphone. Et si par hasard la gentille femme espagnole qui a sauvé notre enfant regarde notre vidéo, je te remercie. Merci. Je sais pas si tu verras la vidéo, mais n'empêche que Merci beaucoup je pour sais ce que tu geste. recevras les énergies de ce que je dis. Je ne saurais jamais te dire combien je peux te remercier de ce que tu as fait pour mon enfant. Voilà. Toi, on peut te bénir. Donc, samedi dernier, nuit horrible. Nous avons passé quelques jours à l'hôpital. Notre fils va mieux. Il va mieux. Je crois que c'est nous les plus touchés. C'est nous les choqués surtout. Voilà, on est rentré à la maison. Il joue, il râle, il a un traitement. C'est vraiment. Il est en train de faire des dents, donc il a fait une laryngite et une otite en même temps. Donc plus l'allergie à l'Advil a vraiment déclenché la grosse convulsion et l'arrêt respiratoire. Donc ne donnez pas d'Advil. La pédiatre que nous avons rencontrée à Bagneul, à côté de Orange, a bien précisé que l'Advil était un poison pour les enfants et nourrissons et qu'il y a des nourrissons en France qui sont morts de ce médicament. Il ne faut pas en donner, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît. Moi, je vous conseille de pas en donner. C'est pour vous, c'est pour vos enfants. Donnez du Doliprane, donnez des huiles essentielles, donnez Arrêtez-vous autre dans une chose, pharmacie de garde s'il faut pour aller mais pas acheter de la quelque ville, chose. quoi. Mais donnez surtout pas ça, c'est du poison. Là, pour le coup, pour avoir Là, on a subi, été vraiment, vraiment, vraiment dans une panade pas possible à cause de ça et c'est une chose absolument à pas faire. Donc, sans rentrer plus dans les détails, parce qu'on a besoin de temps pour s'en remettre, on repart dans 15 jours. On va aménager Balou. Donc, Elohim, notre petit dernier, peut partir, peut prendre la route sans souci. Il faudra juste qu'on revoie le médecin avant de partir. Mais il n'est pas remonté en température. Le traitement marche très bien. Il n'a pas reconvulsé. Donc, pas de souci. Il mange, il râle, il fait des bêtises. Donc, pas de souci là-dessus non plus. Il faut vraiment. Et voilà. Et donc on repart dans 15 jours. Vous aurez une vidéo dans 15 jours plus aboutie pour les valises, tout ça, tout ça. Parce que du coup, ça nous a un petit peu coupé dans notre élan. Donc on Bah, va ça prendre nous un a petit peu de temps. entièrement coupé Ouais. dans notre élan. On va prendre un petit peu de temps, mais ça n'a pas enlevé notre envie de partir. Au contraire, ça l'a encore plus ancré du fait de vouloir vivre, de vouloir profiter. Voilà. On va les laisser regarder le reste de la vidéo. Et puis on vous dit Ça sera déjà pas gros mal. boussac. Et donc, on vous embrasse très très fort. Merci à toutes les personnes qui sont là pour nous, pour notre fils, pour nous envoyer plein plein de pensées, de l'amour et de la tendresse. Beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. On a besoin de beaucoup de Ouais. tendresse. Beaucoup de tendresse et d'amour. Et puis, ben, bon visionnage de vidéos et rendez-vous la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. À bientôt! Boussa! Étape 1 des valises, la primordiale, j'ai envie de dire, pour les enfants comme pour nous, c'est donc le sac de piscine et de baignade, donc qui sert à la piscine et à la plage. Donc on a les serviettes de Décathlon qu'on adore, voilà, les toutes douces pour les tout petits, et on a pris les plus fines, disons, pour les grands. Voilà, on prend un maillot de bain pour chacun. Donc, j'ai envie de vous dire, on a quasiment tous Décathlon, à part papa qui a un Adidas. Et les tout petits qui. Enfin, les tout petits. Les deux petits, donc celui de presque 2 ans et Emma 4 ans, qui ont un maillot de bain de Zeman avec Princesse Sophia et voilà, et du bonheur pour eux. Ensuite, derrière, j'ai pas encore fait les habits. On a
Les débarbouillettes, donc j'apprécie beaucoup, c'est des petits torchons fins, vous savez, pour les bébés, pour essuyer leur nez, leur bouche. Je prends quand même, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq grandes bavettes, voilà. Donc c'est pour mon fils, mais il y a celle de ma fille d'avant, c'est pas grave. On aime mini, hein. Les torchons, on en applique 4. Voilà, je compte faire de toute façon au moins une lessive dans la semaine. Le camping à lave-linge, donc ce sera très très bien. Ça coûte entre 3 et 5 euros. Voilà, c'est un budget, mais au moins j'ai une lessive de fête et je ne m'encombre pas de 12 millions de tenues. On prend les draps. Donc, un drap housse chacun et on va prendre nos couettes. L'avantage d'avoir un jumper, c'est qu'on a de la place, donc on peut se le permettre. Donc on a nos draps, 8 draps et 8 aies d'oreiller. Et derrière, nous avons les 8 serviettes de bain. Donc pour se doucher, pour se laver le soir ou le matin, selon ce qu'on fait. Ça, c'est notre pagnette à sous-vêtements. Donc je ne vais pas vous défaire. En gros, on a 7 bodys pour Elohim. On s'est pris 4 culottes chacun, 2 soutifs pour les deux filles et 2 soutifs pour maman, et 3 paires de chaussettes chacun. Comme je vous ai dit, voilà, on part une dizaine de jours, mais comme je vais faire une lessive, ce n'est pas très grave de n'en prendre que 4, puisque de toute façon, ce sera lavé. Donc là, il y a les 6 enfants. Voilà, 6 petites piles. Et les vestes. Donc on prend une veste chacune. Voilà, tantôt polaire, tantôt veste un peu à la mode parce que ben, les trois grands maintenant ils choisissent. Donc c'est plus trop polaire, hein, c'est plus avec des dessins. Là on a la pile d'Elohim, donc petit dernier, qui dit petit dernier dit plus de change. Hein, je n'ai pas pu me cantonner à prendre le minimum parce que bon, on sait jamais. Comment il mange, comment il boit. Vous pouvez remarquer que mes piles ne sont pas nickel et que je ne repasse pas et que j'assume complètement. Hein, qui dit 6 enfants dit on optimise le temps. Donc bah, c'est pas grave s'il y a des petits plis. Hein, on fait avec. Donc pour chacun des enfants, on a pris un pyjama. Donc là, pour le coup, voilà, c'est une robe chacune. Des pyjamas légers puisque dans le bungalow, nous n'aurons pas froid. 4 tenues chacun et un sweat. Voilà, on a pris un sweat en plus, donc vraiment les sweats format épais avec capuche en plus de la veste parce qu'on sait jamais au cas où. Ils prévoient pas de mauvais temps, mais bon, je préfère faire attention. Et pendant que je m'époumonne à faire les valises, monsieur enlève toute la panoplie de vélos. Donc de Balou, de notre jumper, puisqu'on va prendre la place pour les valises, donc on laisse les vélos. D'ailleurs, si vous avez des astuces ou des bons plans pour les porte-vélos, on est preneur parce que notre grand kiff, ce serait quand même de pouvoir les prendre. Donc un porte-vélo sympa qui se tiendrait là-dessus, ce serait génial. Et dans son dos, on a pu apercevoir Petit Pirate. Pour le rangement du coffre, donc ça va changer. C'était la dernière fois que c'était comme ça. On va tout aménager maintenant pour dormir. Donc dans Balou, on voit la petite tête de ma fille tout au fond. Nous avons une première caisse où nous rangeons principalement les couettes, les oreillers, etc. Bon voilà, la caisse est un peu petite maintenant. Donc ça va être rangé autrement. On vous filmera le nouvel aménagement dès qu'il sera fait. On a une glacière avec des glaçons donc pour tout ce qui est frais et ce qu'on mange sur la route. Ce gros sac-là est un sac à jouets. Jouets de sable. Merci chérie. Jouets de sable, jouets animaux, etc. En derrière, nous avons donc le sac de linge sale, puisque je vous fais cette vidéo à la fin de la semaine et non pas au début. Je suis très très pratique, hein. Nous avons deux grosses caisses comme ça où nous mettons, voilà, les repas, le café, le chocolat, le sucre, etc. Bon, je vous ferai un topo pour la prochaine fois qu'on part. On repart dans 3 semaines, donc vous aurez les choses bien mieux organisées. On ne part jamais sans. Voilà, la caisse de jeux, de livres. Donc, on a des jeux éducatifs, des jeux d'apprentissage, des jeux qui sont des jeux plein de livres qui ont tous été lus d'ailleurs, je crois. Voilà, sur le côté. Ici, on a le sac avec des chaussures parce qu'on prend tous une paire de nu-pieds et une paire de baskets, forcément, puisqu'on fait beaucoup, beaucoup de visites.
Et principalement derrière, nous avons une autre caisse comme ça que du coup je n'ai pas montré, mais qui contient tous nos habits. Donc nous avons quatre tenues chacun avec un pull, enfin suite plus ou moins épais. Et donc bah, les vestes que nous avons mis là au cas où si ce soir nous avons froid. Nous avons aussi un lit parapluie dont on se sert quand on va en mobil-home principalement, mais qui là ne va plus nous servir puisque nous n'allons plus prendre de camping désormais. Nous allons vraiment être sur la route. Donc, je vous laisserai, monsieur, vous expliquer, les aménagements que nous allons faire avant de partir la prochaine fois. Bonjour les amis. Il fait un peu froid ce matin, alors comme il fait un peu froid pour occuper petit doudou, nous avons magouillé le téléphone à papa Magouillé, on l'a installé. En version petit ours brun. Voilà. Et du coup, ça sert non pas que à Halloween, mais aussi à... Voilà, ils sont tous installés. C'était bien de faire doudou dans la voiture? Oui. Tu fais coucou? Coucou. Coucou maman. Ce qu'il y a de bien, c'est que ben, partir hors saison, voilà, on a tout le complexe aquatique pour nous. Il doit y avoir trois personnes, trois personnes voilà, qui doivent être dans les bassins. Mais sinon, voilà, on a le tout rien que pour nous et c'est top. Ça peut crier, ça peut sauter, on ne dérange personne. Allez, j'y vais aussi. Plouf! Coucou! Oui, ça marche. On se demandait si c'était en route ou pas. Donc, nous voilà sur le sentier du littoral. On a commencé à Saint-Raphaël et on est en train de remonter tout doucement. C'est magnifique. On vous mettra quelques photos. On pensait que ça allait être coton avec le petit de 2 ans et notre 4 ans. Et en fait, franchement, c'est très bien fait. C'est brut, c'est la terre, c'est merveilleux. Oh, on voit des petits C'est plutôt la mer. Vraiment, on va vous partager nos photos. On va continuer tout doucement. On s'est posé là parce que ben voilà, ils ont voulu mettre les maillots de bain. Vous apercevez ma 4 ans. Il fait très très bon, le vent fait du bien. Heureusement qu'il y en a parce que je crois que sinon on aurait un peu chaud. On irait se baigner sans casque. Ouais. Et vraiment, si on vous conseille hein, quelque chose à faire, c'est gratuit, c'est magique, c'est magnifique, c'est bien mieux que des musées de l'homme. C'est vraiment la terre telle qu'elle est. Lola, t'aimes toi? On va plein de pistachiers, des On vous fait plein de boussards, on vous mettra quelques photos. Sentier du littoral. Pour ceux qui demandent.
tu dis je vais venir.